L'objectif de ce tutoriel est de vous montrer comment modifier les paramètres d'une session que vous avez créée. Par exemple, changer son nom, son mode de partage ou même la supprimer. Donc, quand vous êtes sur la page principale de Vive, vous pouvez voir vos différents fichiers, notamment les dossiers et les sessions que vous avez créées. Pour modifier les paramètres d'une session, vous allez pouvoir accéder aux actions de manière rapide en cliquant sur les trois points en haut à droite de la miniature de la session. De là, va s'ouvrir un menu avec trois possibilités. Dans un premier temps, vous allez pouvoir déplacer une session au sein d'un dossier. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur « Déplacer », puis de venir sélectionner le dossier dans lequel vous voulez que la session apparaisse. Attention, ici, pour ce tutoriel, je vais cliquer sur « Annuler » pour pas que ma session soit déplacée, mais vous pensez bien à valider votre action. Ensuite, dans un deuxième temps, en cliquant sur « Modifier, partager », vous allez pouvoir modifier le nom, la description de la session et son mode de partage. Vous pouvez voir qu'il y a trois différents modes de partage. Le premier, ne pas partager, vous permet de garder votre session de manière privée et vous êtes le seul du coup à voir cette session et à pouvoir y accéder. Deuxième mode de partage, le partage nominatif. Il vous permet de partager votre session à des personnes cibles. Pour cela, vous cliquez sur partage nominatif. Et vous venez sélectionner des utilisateurs. Par exemple, ici, je peux sélectionner Romain et Yanis. Donc ici, seuls Romain et Yanis pourront accéder à la session. Et le dernier mode de partage est le partage à tous. Il vous permet de partager la session à l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Pensez à valider vos modifications pour qu'elles soient bien prises en compte. Et on peut voir effectivement que en haut à gauche, j'ai une miniature qui m'indique que ma session a été partagée. La dernière action du menu va vous permettre de venir supprimer votre session, donc juste en cliquant sur supprimer. Vous pouvez aussi retrouver ces différents paramètres en cliquant directement sur la miniature de la session, puis en allant dans l'onglet détails, vous allez retrouver le nom, la description, l'auteur et le mode de partage. Et si vous cliquez sur « Modifier », vous allez pouvoir retourner sur la fenêtre que nous venons de voir précédemment. Attention, bien sûr, seul l'auteur de la session peut modifier ces différents paramètres. Voilà, c'est fini pour ce tutoriel. Maintenant, c'est à vous de jouer.